L'objectif opération ça, c'est d'abord récupérer l'espace que bandits ont occupé depuis plus de 3 ans. Mettez-vous hors d'état de nuire. Garantie enfin circulation monde et bien dans l'espace ça. Qui espace pour ça, opération ça concerne? C'est Badelma, Bel Air, Fort National, Faxolino. Population a reconnu jusqu'à date opération a bien avancé. D'abord, force de l'homme fait un usage adéquat sur lui, de l'ensemble de matériel impliqué. Dans l'opération SAR, c'est comme ça. Il arrivait à libérer plusieurs espaces que la population n'a pas de accès. Ils ont parti dans le Fort National, plus ou moins libéré. Badelma, côté circulation, plus ou moins à comprendre. Et que les véhicules capables de circuler, tant qu'on est capable de remarquer ça. Plusieurs bandits sont arrivés à stopper ou bien continuer à stopper puisque l'opération va continuer. Bandits ont stoppé après échange de balles avec la police. Dans plusieurs points de cachette, bandits ont utilisé plusieurs espaces, tant à la fois public que privé. Pour être capable de mener l'action criminelle et permettre d'empêcher la population de vaquer à l'activité. La police, dans 4 opérations, a arrivé à libérer l'espace et plusieurs bandits arrivent à stopper après l'échange de tirs. Il y a un bagage qui est important, nous avons besoin d'attirer l'attention de la population. C'est que contrairement à ce qu'on fait dans le passé, nous ne contentons pas seulement de libérer l'espace, mais la police consolide l'espace pour les bandits pour permettre de retourner encore pour venir la population encore une autre fois. Plusieurs armes récupérées, plusieurs arrestations ont été faites. Malheureusement pour nous, nous avons des policiers qui sont blessés. Mais nous voulons assurer la population. Nous voulons assurer la famille vaillante de policiers. Institution, commandement, nous avons fait tout ce qui dépend de lui pour nous jouer le soin que nous avons nécessité. Et pour le moment, le moins que nous sommes capables de dire, nous sommes hors de danger. Comme la police là a profité pour le renouveler détermination pour le combattre banditisme sous toute étendue du territoire avec mariage police population, oui, c'est possible. Nous commençons ensemble, nous avons avancé ensemble et nous avons arrivé faire ensemble. Merci la presse, nous prenons en pilant nous à un bilan, ça vient là, de fil en aiguille, au terme de l'opération, nous sommes capables de présenter le bilan. Nous remercions parce que nous sommes venus. Merci à votre parole, Force Armée d'Haïti, qui honore nous par présence dans le cadre de l'Ouessa. Merci à votre parole et contingent Kenyan, frère, nous sommes nous. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ici le dia et nous disons bienvenue dans le troisième point de presse depuis environ 2 mois que la police l'a présenté ou encore tout premier point de presse qu'a présenté ma parole. Tant que nous connaissons déjà, depuis 27 août 2024, ça fait environ 7 jours
et puis que plusieurs unités dans la PISLA qui joignent appui, bien sûr, la FSS, les forces armées d'Haïti, que vous engagez sur le terrain pour vous mener une opération. Jean-Noël de Campé, sous le podium, c'est à peu près la même réalité ça qui est sur le terrain. Ça veut dire que nous avons une synergie avec MSS là et l'armée d'Haïti qui rejoint, qui appuie l'unité spécialisée. PNH là pour mener l'opération ça. Et c'est pour ça que nous avons une presse aujourd'hui. Moi, pas pour moi. Moi, gagné le commissaire de police, Jacques Oumbaka, porte-parole de la multinationale de sécurité et de soutien. Nous gagnons pour le lieutenant Gamel Julie Dora, porte-parole de la Défense armée d'Haïti. Nous pas rencontrer Konyala pour aller du bilan opération Cap Menel dans grand bloc que nous allons citer là. Puisque l'opération a beaucoup fini. Mais nous là tout au moins, d'abord pour te présenter nous. Et porte-parole entité qui fait synergie avec PNH là pour mener opération tout au moins pour commencer avec grande série d'opérations à eux, certainement capable de venir. Et dans un second temps, faire au moins une mise au point sur l'état d'avancement opération qui a mené depuis environ 7 jours. On commence par parler des objectifs opération ça. OK, merci. Qui côté information ça et li sorti qui donc nous pas non pas ça encore nous toujours pour policiers nous toujours ba institution nous service et Lionel Lazare victime peut-être des gens que moi à travail gen moun peut-être qui estime que nous sommes jeunes policiers dans l'institution qui a prend un niveau peut-être qui estime que yo capable camper dans route et moi même dans famille que me sorti m'pa quoi dans échec. Pas qu'on a découragé, parce que papa me sort une famille militaire. Et donc, moi-même, ça qui a passé là, pas fait me décourager. Au contraire, il mettait l'huile dans le moteur pour me dire que le travail que fait, un bon travail. Parce que si quelqu'un a taclé par rapport au travail que a fait, et bien le travail là, il était bon. Vous estimez, déjà, il était naïf sur la décision que tu as pris. En quelque sorte, nous sommes capables de dire oui, parce que DGA a gagné toute volonté, parce que s'il choisit de faire installer, même penser qu'à la fin, le dossier est mal géré, parce que l'offre installe au monde, et c'est même nous sommes capables de dire, l'offre aspirant en d'académie ou sous compte l'école nationale de police, là, comme si ou pas sous compte l'inspection générale. Tout autant que vous pouvez prêter serment ou pas policier. N'importe ce fait, l'école là qui a méthode. Mais immédiatement que vous finissez prêter serment, vous passez contre l'école encore. N'importe ça, un policier de stade aspirant à policier le jour même de graduation, pendant la sortie de la barrière, de commettre une infraction, et bien, il y a une inspection de l'université. Ces mêmes gens ont été fait installer. Déjà, c'est un seul grand bagaille. Pour le fait, c'était vos dossiers devant l'inspection générale, l'inspection générale. Mener une enquête pour garder oui ou non, est-ce que ça a reproché non et il a reproché non, est-ce que c'est vrai. Mais je crois que déjà comprendre ça qui fait là, moi-même, j'aime toujours dire, je souhaite que
pas gagner on l'autre victime encore sous base ça quel que soit mon cap vinn dou on bagaille de on policier et bien inspection générale puisque inspection générale aller porter plainte pour lui et puis tout il y a tant de rapport et Lionel Lanza c'est seulement si après 5 ans pour du que vous venez autant c'est RNDDH ou bien c'est que l'espérance qui derrière et une grande dévocation comme propre pour l'adjoint de la police est-ce qu'on fait du spécial contre RNDDH bon je pense que immédiatement que ça ne vient pour nous faire les ça je pense que et là après ça vous prend parce que le 18 septembre qui a venu là nous avons conférence de presse que nous parce qu'il y a 95% là nous sommes pour nous donner au niveau Sinapoua, je sais tout le monde connaît les positions. Mais position Sinapoua a une évocation. Bon, je pense que l'équipe Sinapoua a été campée ferme avec moi, qu'on note que vous êtes sorti pour vous porter solidarité ensemble avec moi. Et par rapport avec ça qui passe là jusqu'à présent, dans la minute que moi a parlé ensemble avec nous là, l'équipe Sinapoua a campé ensemble avec moi. Déjà parlé l'eau après l'évocation? Je pense que nous parlons même, quoi que. Je dis à nous de repenser les choses, nous de garder ce que nous sommes capables de faire avec nous. Pendant que nous avons toujours une institution, nous, même service que nous avons fait, nous ne pouvons pas vendre l'institution mal, nous ne pouvons pas vendre le directeur général de la police nous mal, nous ne pouvons pas vendre les policiers mal. Sauf que nous connaissons que des policiers qui impliquent dans ces choses, il faut que nous nous fait. Et semaine, ça va se passer là, nous allons arrêter le paquet. Policiers qui impliqués dans une série de vieux dossiers, bon, c'est que le travail ça doit être fait et nous-mêmes, nous prêts pour nous collaborer. Je dis, si c'est nous-mêmes qui pouvons continuer à aider le directeur général de la police, là, ben, résultat, nous prêts pour ça. Parce que c'est l'institution qui nous est. Nous parlons au monde, nous parlons au monde qui derrière finit avec nous, nous parlons au monde qui derrière détruit nous. Et nous, ça va aller, nous avons toujours été en dedans de l'institution. Sauf que, les affaires institutions, nous avons des gens que nous supposons faire, nous avons des gens que nous supposons traiter agents. Pour les gens qui sont disponibles, si toutefois, et déjà arrivé pour vous mettre place là encore. Bon, moi, je pense que ça aussi à réfléchir. Il y a des bagages que si toutefois que nous pouvons arriver dans la position pour nous connaître qui décision à prendre, ça aurait été à réfléchir. Mais qui ne va pas empêcher que nous continuions à bailler la police à service. Parce que je dis à la moi c'est un syndicaliste pour la vie. Même si je ne suis pas dans le Singapour encore, même quand toujours continuer à défendre les droits policiers. Raison. Parce que nous, nous avons que nous avons toujours dit dans le Singapour. Nous avons que nous avons toujours demandé l'État assumer responsabilité pour doter la police à des moyens. Je dis à la, nous voyons que nous paquet effort qu'a fait bon côté gouvernement pour doter la police de moyens, pour doter la police d'équipement, permettre que les policiers gagnent du matériel de protection à chaque fois que nous allons dans l'opération. Oui, c'est bien. Mais il y a l'autre bagage encore qui est extrêmement important. Je dis à le Premier ministre Gary Conille a annoncé qu'il y a 4,2 milliards de gourdes qui sont disponibles pour aider les parents pour vous petits à l'école. Dans 4,2 milliards de gouttes, ça, on ne croit pas que les policiers la donnent. Donc, il faut gagner subvention. Il faut que le gouvernement subventionne les policiers pour entrer à l'école. Là. Parce que 95% des policiers qui sont petits, qui parlent de l'école, ils je dis, nous ne pouvons pas la police seulement dans la question d'opération. Oui, il faut que l'opération soit faite pour permettre que les gens retournent à la caillou. Mais les gens qui ont fait l'opération, c'est les policiers. Ils ont un engagement, ils ont une responsabilité. Ça fait que nous souhaitons que les syndicats exigent le gouvernement pour rentrer à l'école pour subventionner les policiers qui ont même tout fait face à un paquet de difficultés dans la vie là, actuellement. Là. Les gens sont blindés, nous sommes capables de remarquer les défauts que nous mettons sous les blindés. C'est grâce à les professionnalistes, les policiers qui font qu'ils sont capables d'exister. Je dis à la, nous ne pouvons pas parler de la police seulement, mais nous parlons et intérêt policier. Yo. Pour les ministres qui visite et garder que vous paquet côté police à bien vivre à travers le monde là. Donc c'est pas un pile cop qui opère, mais un ensemble des avantages sociaux que policiers ça eux-mêmes yo bénéficient. Bon question de arriéré grade. Policier a gagné 5 ans, 6 ans là depuis le fin prend grade li, il fin prend promotion jusqu'à présent, yo pas jamais payé moun ça yo. Gagné une quantité de personnel administratif en décision qui 30 mois depuis yo nommé, yo pas jamais payer moun sa yo. Parmi yo gagne un paquet de mécaniciens jodi a ka fè ka permettre que blende yo fè travail yo fè service an dan yo et bien moun sa yo poko jam touché. Nous souhaitons que gouvernement assume responsabilité
parce que ouais par ouais faut gouvernement subventionner policiers parce que yo gen petit tout qui pas l'école yo gen famille pour yo occuper. Jodi a mon policier pas qu'à l'hôpital avec une carte assurance parce que l'État pas assumé responsabilité. Nous pas d'accord pièce mon avis là pour baffrer policiers sans que nous pas faire un bruit. Parlement de l'Azar a une situation qui a développé dans la police là depuis une semaine passée côté gain en pile et policiers retrouvés dans des actes malhonnêtes. Ou même comme syndicaliste, comment appelle ça et qui compréhension de l'ONCD et capable de dire activité policière même de l'état ça impliqué là-dedans. Moi-même parce que noté toujours qu'on dit le niveau sénatorial faut qu'il y ait vétine qui fait dans l'institution. Je dis à sous cela pas qu'à bail découler de l'eau ensemble ou pas qu'à policier et puis tout pour choisir fait choix gang ce soit une ou l'autre. C'est pas sans raison qui fait que je dis ouais la police a arrêté un paquet de policiers qui impliqué dans mauvaise affaire. Nous disons tout faut qu'il y ait une qui fait dans l'institution de agent et directeur général de la police pour mettre tout le monde sous côté. Je dis à là, nous sommes constater que une opération que la police a menée dans plusieurs zones, là, surtout dans la zone Bel Air, Solino, et zone Delma 6. Donc, nous-mêmes, nous avons toujours dit que nous sommes dans bon la police. Et nous estimons que mariage, police, population, livré by résultat. Ça fait que nous encourageons le directeur général de la police pour continuer dans la même lancée. Kimbe bataille. Je sens que vous commencez à faire confiance, la population commence à faire confiance par rapport à l'engagement. Et si nous avons sur une vidéo que déjà tu as fait un briefing pour les policiers qui ont fait l'opération, les policiers ont demandé ça. Même si les policiers ont moralité à zéro, mais puisque le directeur général là, vient de côté, il parle avec, il motive, il garantit que les policiers ont travaillé. Mais tout, nous avons demandé au gouvernement pour assister le directeur général de la police, nous avons demandé au gouvernement pour assister la police nationale d'Haïti, la police a moyen, le directeur général de la police a moyen pour capable faire travailler parce que nous voyons que les soyons voilà côté que les capables bailler résultat parce que vous sentez que opinion vous sentez que mon intelligent commence à content par rapport avec opération qui a mené. Je pense que c'est important pour nous toujours faire ça, pour nous toujours parler avec nous mêmes mariage police population de bon canal de communication pour parler avec nous pour camper bon côté et la police nationale d'Haïti. Mais pour ça faire faut gouvernement une volonté pour le résoudre problème insécurité. Je dis à la nous pas gagner que nous avons fait sans pour insécurité à pas résoudre. Nous pas qu'à parler d'élection sans sécurité à pas résoudre. Merci. Nous prenons position arrêtée par rapport à arriver force criminelle dans le pays. Donc il y a environ 3 mois avec nous là accompagné à la police là qui sont vous-même par rapport à monsieur Sarkla. Bon, moi je pense que vous connaissez un petit cas difficile parce que mener opération dans une série de zones ou pas qu'à faire n'importe qui gens. Faut gain matériel, faut gain moyen pour ça. Comme gain ensemble de matériel là qui commence à rentrer et où est monsieur commence à travailler avec la police nationale d'Haïti, nous souhaitons que yo continue dans cadre travail ça et gain l'autre matériel encore qui gagne pour yo rentrer. Mais moi même garder sincèrement plus quoi non policier mieux puisque non police nationale d'Haïti nous croit que qui capable de faire résultat mais pour ça vous faites fort et la police a faut que l'État assume son responsabilité. Nous on est dans opération force qu'il y a même école après aller